Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo Beetroose encore. Et oui, Beetroose, c'est ma box préférée, comme vous le savez. Donc, encore une fois, je vais vous répéter le principe. Donc, c'est-à-dire que c'est une box qui est, bon, plus élevée, on va dire, que la moyenne des box. Mais vous avez des produits, on va dire, plus de produits, des full size. Vous pouvez voir le contenu de la box avant de la commander. Bien sûr, le stock est limité. D'ailleurs, la box que je vais vous présenter est déjà épuisée. Donc, voilà, je vais quand même vous la présenter parce que ça me tient à cœur. C'est une box que j'attendais avec un patience. Donc c'est la Natural Beauty. Donc il y a 13 produits donc qui valent 194 €. Donc j'ai payé la box 36 € avec 5,90 € de frais de port. Donc ça m'a fait 41,90 € pour 13 produits. Donc une moyenne de 3,20 € je crois par produit. Donc voilà, c'est quand même vachement rentable, sachant que voilà, je sais que je vais utiliser la majorité des produits qu'il y a dans la box. Donc ce sont que des produits bio ou naturel, pas forcément toujours bio. Alors, donc déjà, petite remarque, j'ai reçu donc les produits dans un carton comme ça, sans boîte Beetroose. Vous voyez la boîte, soit blanche, soit noire, avec écrit Beetroose dessus. Donc ça fait une économie d'emballage, c'est bien, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas, je sais pas, du coup c'est moins avantageux, parce que moi j'aimais bien récupérer les boîtes pour ranger mes stocks de produits. Et là je suis un peu déçue, et en plus bon, il y avait des petits cotillons, vous voyez, mousse pour amortir les chocs, mais du coup je trouve que ça fait quand même moins de protection, hein, puisque les produits sont mis comme ça en vrac dans le carton avec les cotillons, donc je trouve pas que ce soit hyper sécurisé. Donc je commence par ce produit, donc l'exfoliant lumineux dermo-équilibrant de la marque Effiderm. Alors des exfoliants j'en ai déjà en stock, j'en ai ouvert et c'est quelque chose que je termine vraiment très lentement puisque j'en mets pas tout le temps. Parfois je passe 15 jours sans me faire de gommage. Mais bon, je me dis que c'est déjà pas mal puisque voilà, il y a un exfoliant, ce sera toujours un exfoliant en moins à acheter plus tard puisque moi je stocke à l'abri de la lumière mes produits, donc je sais très bien que je vais l'utiliser. Donc voilà, je suis assez contente, je pense pas que ce soit bio, en tout cas je ne vois pas le label là comme ça en regardant. Il y a de la cire d'abeille dedans, donc pour ceux qui sont vegan, voilà, c'est pas un produit vegan. Honnêtement, je trouve ça quand même pas mal parce qu'il y a de la noix de coco, donc moi j'aimais la noix de coco. Voilà, donc sans parabènes, voilà, je suis quand même assez contente d'avoir ça, ça me fera toujours ça en moins à acheter plus tard. Ensuite j'ai reçu une crème de nuit hydratante de la marque Tulekos. Alors la crème de nuit, c'est oui, c'est bien, c'est toujours utile. Moi j'en mets de toute façon la crème de nuit, mais c'est vrai que j'ai pas mal de crèmes en stock. Bon voilà, après c'est moi qui ai choisi d'acheter une box alors que j'avais pas mal de stock, mais c'est pas grave, je me suis dit je saute sur l'occasion, ça me permet d'avoir des produits pas chers du tout. Donc voilà, le packaging j'aime bien, c'est une pompe, vous voyez. Donc voilà, moi je suis super contente. Ensuite j'ai reçu le jus de bouleau de la marque Velleda que je voulais tester depuis longtemps, pas forcément celui de Velleda, mais c'est sûr que je voulais me faire une cure de jus de bouleau donc dans pas longtemps. Et voilà, donc c'est super parce que moi j'ai des problèmes de rétention d'eau, pardon, et là donc je sais que, en plus c'est bien noté, que le bouleau favorise l'élimination, en plus du coup grâce à ça la peau se purifie, tout ça, donc ça fait un joli teint. Donc c'est quelque chose qui coûte un peu moins de 10 €, donc voilà, quand même c'est quelque chose que j'allais acheter sûr, donc je me dis voilà, c'est une économie en quelque sorte. Alors ensuite j'ai reçu la bougie de massage de la marque Carétique. Alors j'ai jamais utilisé de bougie de massage, j'ai déjà ouvert parce que c'était vachement difficile à ouvrir. Et donc ça se présente comme ça, c'est une bougie, donc je suppose qu'il faut faire brûler la bougie, ensuite quand le produit a assez fondu l'éteindre et verser, une fois que ça a refroidi un petit peu, dans la main le, comment dire, le contenu de la bougie, enfin la bougie en elle-même, et du coup bah, ça fait une huile de massage un petit peu en fait, je pense. Donc voilà, c'est pas mal, c'est une bonne idée, mais je suis pas trop, je sais pas, je suis pas trop massage et tout. Bon, en tout cas voilà, c'est bio, je vais le tester quand même. Ensuite j'ai reçu un savon, c'est de la marque Polenia. Alors c'est un savon au miel, bon voilà, encore une fois c'est pas vegan, c'est pas très très grave, hein, je vais l'utiliser. Voilà, c'est pas mal, mais c'est vrai que les savons dans les box c'est un peu embêtant au bout d'un moment, mais bon après je savais qu'il y aura un savon, donc voilà, c'est pas grave. Ensuite j'ai reçu l'éponge Conjac, donc 100% naturel, donc ça c'est la blanche, la classique. Sachant que sur le visuel au niveau du site Beetroose, ils montraient une autre couleur d'éponge. Bon, je suppose que c'était aléatoire, je sais pas. Parce que bon, des fois il y a des, comment dire, c'est pas des fois, mais il existe plusieurs types d'éponges Conjac, plusieurs couleurs. Bon, c'est pas grave, la normale, elle est bien. Donc c'est un produit que j'avais déjà utilisé, pas,
Enfin, pas forcément de cette marque-là, mais j'avais déjà utilisé une éponge Conjac. Je trouve que ça fonctionne bien. Ça exfolie doucement la peau. Ça donne un joli teint. Ça n'agresse pas du tout la peau. Le seul souci, c'est que ça s'abîme assez rapidement. C'est pas quelque chose qu'on peut garder plusieurs mois. Ensuite, j'ai reçu l'éclat des yeux. Donc, c'est un contour des yeux. Alors, c'est un contour des yeux de la marque Bio4You. Alors, c'est pas mal. Sauf que j'ai juste acheté un contour des yeux justement pour favoriser l'éclat donc, de la marque Yes2. Donc, bah, c'est bien. Ça me fait un produit en plus. Tant pis. Hein, je l'utiliserai peut-être même dans un an, mais c'est pas grave. La composition est vraiment pas mal. Donc, voilà. Ouais, je suis très contente. Ça coûte assez cher les contours des yeux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu la crème jambes fraîche et fine de la marque Eulescence 4. Alors je suis très contente parce que moi c'est le genre de produit que j'utilise, en tous les cas que j'achète régulièrement. Par contre ce que j'aime pas trop c'est que la liste des ingrédients est vraiment immense quoi. Ça fait vraiment tout ça, vous voyez. Voilà, c'est vraiment immense. Bon bah j'espère que ce sont des ingrédients sains. Bon là c'est vrai que c'est, ça me serait difficile de tous les comprendre là maintenant. Voilà, donc c'est huile essentielle 100% pure et naturelle. Donc voilà, il faut simplement masser les jambes matin et soir. Donc je suppose que ça doit activer la circulation, que ça doit avoir un effet décongestionnant, enfin je sais pas. Voilà, donc je suis super contente. Franchement, c'est le genre de produit que, voilà, que j'adore et dont je ne peux me passer. Ensuite, j'ai reçu le shampoing de la marque Timothée, donc c'est Timothée Pur. Alors, je me doutais un petit peu qu'il y aurait du sulfate dedans. Oui, il y a du sulfate, donc moi, j'en utilise pas parce que je fais des lissages brésiliens, coréens, etc. Et du coup, je ne peux pas utiliser de shampoing avec sulfate si je veux que mon lissage tienne. Donc, je ne vais pas l'utiliser, je vais le donner. Donc, c'est vrai que c'est pas la première fois, en fait, que je reçois un shampoing avec sulfate. Donc, il n'y a pas de silicone, pas de parabène, pas de colorant. C'est pour les cheveux normaux regressant vite. Donc, c'est pas du tout mon type de cheveux. Donc voilà, sans regret, c'est pas grave. Je me doutais que j'allais devoir le donner, donc c'est pas la fin du monde. Ensuite, j'ai reçu le lait hydratant de la marque La Beauté Naturelle. Donc c'est à l'eau florale lavande bio, eau florale feuille d'olive bio. Donc voilà, là, ça m'intéresse, franchement, ça me dit en tout cas, les actifs me... comment dire... éveille ma curiosité. Donc c'est bio, voilà. Donc des laits pour le corps, j'en ai toujours besoin, j'en utilise beaucoup, j'en mets généreusement tous les jours sur moi. Donc c'est sûr que je vais m'en servir parce que moi les crèmes pour le corps, les laits pour le corps, j'en utilise tout le temps et je les finis assez rapidement. Alors ensuite, il y a le savon exfoliant aux huiles végétales, donc de la marque Écosse, Natura Écosse. Voilà, donc c'est pas mal, j'ai jamais utilisé de savon exfoliant, donc pourquoi pas, pour remplacer tous mes gommages chimiques, ça peut être pas mal. Donc c'est aux fruits de buriti, ça vient du Brésil, donc ouais, ça m'intéresse beaucoup beaucoup, je suis assez contente de pouvoir tester ce type de produit. Ensuite, il y a le sérum bio revitalisant de la marque Vanessence. Alors un sérum ça coûte cher, voilà, donc je suis très contente d'avoir un produit comme ça dans la box. Donc c'est un 33 ml, pareil, flacon pompe, j'adore, je suis très contente. Ce sont les sérums, c'est dans un flacon pompe hein, en général, mais bon. Voilà, donc il y a un déodorant sans alcool de la marque Biofa Nature, donc sans sel d'aluminium à la fleur de tiare, sans alcool. Voilà, je suis très contente, la fleur de tiare c'est un parfum que j'adore. Les déodorants bio, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et en fait, là je suis déjà passée, enfin presque, au bio au niveau déodorant. Donc je suis super contente parce que ça m'en fait encore un en stock. Donc pas besoin pour l'instant de dépenser, d'acheter un déodorant au prix fort. Ce que j'ai apprécié dans la box, c'est qu'il y avait pas mal de petits bons de réduction. Donc là, 50% quand même sur la marque La Beauté Naturelle sur le site. Donc 50% c'est quand même énorme pour une offre découverte. Ensuite, 50% aussi sur le site Effiderm. Voilà, je suis super contente. Je suis pas sûre de les utiliser, hein, mais en tout cas, le principe me plaît. Voilà, 50% c'est vraiment avantageux. Et ici, donc j'ai carrément des petits testeurs de gommage et masque de la marque Kae. Voilà, donc je trouve ça vraiment super bien. J'ai l'impression qu'il y a plus de bons de réduction, plus de trucs que dans les autres box. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Et là, c'est quoi? Bah, c'est simplement une petite note explicative du sérum qu'il y avait dans la box. Voilà, donc plus le menu, comme d'habitude, enfin le menu, la liste des produits, tout ça, qui sont bien notés avec le prix. Voilà. Donc très bien. Donc encore une fois je suis assez contente de la box. C'est vrai qu'il y a des produits qui ne m'intéressaient pas plus que ça, mais je me suis dit voilà, il faut toujours tester, il faut toujours s'intéresser ou avoir l'esprit ouvert puisqu'on ne sait jamais. Voilà, pareil bon, pour le shampoing, comme d'habitude je le répète quasiment à chaque fois, c'est un peu dommage puisque je me dis que là c'était une, on va dire, une bitrousse naturelle, donc
Voilà, en général, on n'utilise pas trop de sulfate dans ses cheveux quand on aime les produits naturels. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais moi, j'ai cette impression-là quand je regarde des vidéos. Donc, bon, c'est juste le petit bémol. Voilà, j'espère beaucoup que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.